Chers cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo explicative qui est née de l'idée surprenante que Riot Games ne sait décidément pas comment marche son jeu. Et s'il le sait, ben alors son département pédagogie est en hibernation intellectuelle depuis longtemps. Et c'est Bernard Patatou, jeune stagiaire dans l'entreprise de ménage qui vide les corbeilles à papier du studio, qui a été chargé de pondre les rares vidéos tutoriels un peu mielleuses que j'ai trouvées sur internet, avec le concours d'une voix off de Téléachat qui t'explique que pour être jungler, il faut faire la jungle et ganker les lanes. Juste au cas où tu pensais qu'il fallait simplement pourrir le spawn avec des wards. Face à la pénurie d'explications situées exactement entre les vidéos du joueur master qui t'explique que c'est vachement facile de hit and run avec un doigt tout en regardant ta minimap, et le youtubeur random qui fait semblant d'avoir pré-shot le flash de son adversaire alors qu'en fait c'est son chat qui vient accidentellement se frotter contre la coudoir de sa chaise de bureau. Le corbeau a décidé de faire son nid, précisément là, au milieu de ce vide où il se sent si bien. Et aujourd'hui, il te parle des tours. Si tu ne vois pas du tout de quoi je parle, alors tu as un souci que je ne peux pas résoudre, soit psychiatrique, soit visuel. Si tu sais de quoi je parle, tu es peut-être un de ceux qui se demandent comment ça marche. Et c'était mon cas avant de faire cette vidéo. La première chose que je peux te dire, c'est que le gars qui a pondu le système des tours, il a un vrai souci avec l'ordre et la méthode. C'est un peu comme si je te demandais de faire des crêpes et que tu décides de changer de poêle entre chaque crêpe. Et oui, il n'y a pas une tour en 22 exemplaires sur la carte. Il y a 5 variétés de tours qui ne vivent pas du tout la partie de la même façon. Oula, te dis-tu, mais ça semble compliqué. Eh ben oui mon poulet. C'est pour ça que Riot Games te dit de savoir en jouer. Il y a des tours qui font mal, il faudra les détruire. Sinon Jean-Kévin, il se tournerait aussitôt vers Fortnite et ses caddies de supermarché. Regardons ça de plus près. On a dit 5 sortes de tours. Il y a les T1 top et mid, les T1 bot, les T2, les T3 et les tours de Nexus. Et si tu penses qu'il y a des différences mineures et négligeables, tu as tout faux. Il ne faut pas non plus délirer, hein. Elles ont aussi des points communs, hein. C'est pas le jour et la nuit. Les points communs sont très simples, et comme leur nom l'indique, ils sont valables quelle que soit la tour sur laquelle tu tapes. En 1, les tours, elles tapent en dégâts physiques, donc des dégâts qui sont réduits par de l'armure. Si tu joues Morgana, c'est pas la peine de mettre ton Black Shield sur quelqu'un qui s'est tapé par une tour, ça va pas arrêter un point de dégâts. Deuxième point commun, leur nombre de points de vie maximum n'augmente pas pendant la partie. Les tours ont des points de vie fixes à 1 minute de jeu ou à 40 minutes de jeu. Troisième point commun, elles ont une caractéristique d'armure et une caractéristique de résistance à la magie, qui progressent toujours de concert. En l'occurrence, des objets de pénétration physique ou de pénétration magique vont augmenter les dégâts que tu fais à la tour. Alors bien sûr, la plupart du temps, on tape les tours à l'auto-attaque, c'est donc des dégâts physiques, et c'est donc les objets de pénétration physique qui vont mieux marcher. Mais certains champions ont des compétences qui permettent d'endommager les structures à coups de dégâts magiques. Et là, pour le coup, c'est de la pénétration magique qui fera plus de dégâts à la tour. Toutes les tours ont le même mode de fonctionnement pour choisir leur cible. Si le héros adverse il est tout seul, la tour le prend pour cible. S'il y a deux héros adverses, elle va prendre le plus proche. S'il y a un sbire, elle va taper sur le sbire avant de taper sur les champions. Et si un champion adverse frappe un champion allié à la tour, eh bien la tour change de cible et se met à taper le champion tant qu'il reste dans la zone d'action de la dite tour. Deux précisions cependant, si vous blessez un champion alors que vous êtes sous une tour et que le champion adverse lui ne l'est pas, la tour vous tape quand même.
Si je joue H et que je lance ma flèche, que ma flèche traverse la map et tape un champion, la tour va me taper dessus. Même si le champion est à 4 km, moi je suis sous la tour, et la tour, elle est magique et elle sait que j'ai tapé un champion au loin. Deuxième précision pas inutile, les dégâts sur la durée provoquent la colère de la tour. C'est quoi les dégâts sur la durée? C'est le debuff que vous mettez sur un champion ennemi et qui continue à lui faire des dégâts dans le temps. Certaines compétences causent des brûlures ou des saignements. Demandez à Darius ou demandez à Brand par exemple. Même certaines auto-attaques causent des empoisonnements. Demandez à un Twitch ou à un Teemo. Certains sorts d'invocateurs causent également des dégâts sur la durée, un Smite, un Ignite. Avoir sur vous le Red Buff fait que vous collez un dot. Certaines maîtrises, comme brûlure dans la branche sorcellerie, causent un dot. Le tourment de Liandry est un objet qui colle un dot. La cape solaire est un objet qui fait des dégâts autour de vous, et si un champion passe à côté, vous l'avez attaqué. Cinquième point commun, plus une tour frappe le même adversaire longtemps, plus elle fait de dégâts. 40% de dégâts en plus à chaque coup, jusqu'à un cap de 120. Le seul moyen de la stopper, c'est soit de sortir de la zone d'action de la tour suffisamment longtemps pour qu'elle rate un tir. Ça veut dire quoi ce bordel? Ça veut dire que si vous sortez et que vous re-rentrez aussitôt, et que la tour, elle n'a pas eu le temps de changer de cible, c'est toujours vous qu'elle a en cible, et elle continue à vous faire des dégâts augmentés. Il faut sortir de la zone et s'assurer que le bruit que fait la tour quand elle attaque, il va pas ressonner quand vous rentrez, parce que s'il ressonne, c'est vous qui vous la prenez. Ça se joue au poil de cul de seconde, mais en gros, il faut attendre que la tour ait changé de cible avant de revenir dedans, sinon elle se remet sur vous, et vous n'êtes pas sorti de sa liste d'aggro. Ou alors, deuxième option, mais qui n'est pas offerte à tout le monde, il faut avoir une compétence qui vous rend inciblable. Un Maître Yi qui va disparaître dans son Q-spell, la tour va arrêter de le cibler. Un Maokai dans sa charge, un Vladimir qui fait une flaque, un Fizz qui fait un rebond. Ces personnages-là disparaissent virtuellement du monde pendant qu'ils font leurs compétences, et du coup, la tour arrête de les cibler. Et pour le coup, ces champions sont intéressants à manier à partir du moment où on a une conscience de la cadence de tir de la tour, et on va déclencher sa compétence au bon moment pour que le tir de la tour nous rate, et que quand on redevient ciblable, il se soit passé suffisamment de temps pour que la tour ait réinitialisé sa liste d'aggro, et que si on se prend un coup de tour, c'est un coup de tour sans les pourcentages de dégâts additionnels, ce qui, je vous l'accorde, est pas évident à faire. Sixième point commun, une tour est invincible si celle qui la précède sur sa voie est encore debout. Vous ne pouvez pas cibler une T2 si la T1 est toujours là. Donc c'est pas la peine d'essayer de vous faufiler derrière pour abattre une tour du milieu ou une T3. Vous n'avez pas le choix, il faut d'abord faire tomber la T1, ne serait-ce que pour pouvoir cliquer sur la tour de la T2. Septième point commun, si vous attaquez une tour et qu'il n'y a pas un sbire à vous sous la tour ou vraiment en bordure de la zone d'action, vraiment tout contre, ça se joue à quelques pixels, la tour, elle va annuler une énorme partie de vos dégâts. Plus de 60% de vos dégâts vont partir à la trappe, comme ça, elle l'a décidé. Donc si on veut tomber une tour, il faut des minions en dessous. Même un train d'amer surboosté qui se jette sur une tour en se disant « je vais la fumer avant qu'elle m'ait », il n'y arrivera pas. Dernier point commun, le huitième, les tours ont une cadence de tir fixe. Elle n'évolue pas de toute la partie, elle est de 0,83. Ça veut dire qu'il faut un peu plus d'une seconde à une tour pour vous coller un chicot dans les dents. Et ça ne change jamais. Et vous saviez peut-être tout ça, en tout cas moi je le savais. C'est le reste qui m'a un peu surpris. Examinons maintenant les différences qu'il y a entre les tours. Elles sont globalement au nombre de 5. Elles portent sur les points de vie, les dégâts, les résistances, les buffs et la régénération. Pour tout ça, chaque sorte de tour a ses propres références. Et comme tout diverge en fonction de la position de la tour, plutôt que d'examiner ces différences les unes après les autres, on va les étudier en regardant plutôt chaque type de tour séparément. Les T1 bots, ce sont les plus simples à comprendre. Elles commencent la partie avec 3800 points de vie, un score d'attaque physique de 152, une armure et une résistance magique de 55. Si on la regarde attentivement, la T1 bot, quand la première vague de minions arrive au milieu de la voie alliée, la tour a déjà gagné 4 points d'attaque, 1 point d'armure et 1 point de résistance magique. Quand la bot lane revient sur sa lane après avoir aidé son jungler, la tour a encore gagné 4 points d'attaque,
un point d'armure, un point de résistance. Et vous l'aurez compris, chaque minute qui va passer, la tour se renforce. À 33 minutes de jeu, la tour possède 180 d'attaque physique et 70 dans les deux résistances. Et elle est arrivée à son maximum, elle n'ira pas plus haut. Gardons ces valeurs en tête, parce que ce sont les mêmes pour les T1 mid et les T1 top. En plus d'avoir tout ce qu'on a vu pour les T1 bot, les T1 mid et top bénéficient d'une aide pendant les 5 premières minutes du jeu. Un bouclier qui absorbe 50% des dégâts qu'elles subissent. Et qui peut se cumuler avec les 60% d'annulation s'il n'y a pas de sbire à côté. Ça veut dire que si pendant les 5 premières minutes vous êtes assez con pour vous jeter sous une tour top sans sbire autour de vous, vous allez lui faire 5 ou 6 points de dégâts par attaque. Ce bouclier, il a un effet visuel sur la tour. On le voit quand on tape la tour. Et donc forcément, quand on le voit plus, c'est que les 5 minutes de jeu sont passées. Si jamais on n'a pas l'œil braqué sur le chronomètre. Vous comprenez donc que ce bouclier rend assez compliqué les prises de tour tôt dans la partie, sauf aux bots. Et du coup, vous comprenez peut-être aussi pourquoi la plupart des gangs de début de partie, eh ben, ils se passent aux bots. Que non seulement il y a un ADC qui est épais comme une biscotte et qui fait des dégâts de merde, mais en plus, la tour n'a pas de bouclier. Une fois qu'on a passé les 5 premières minutes de jeu, les T1 sont toutes sur un pied d'égalité, mis à part peut-être leur état, parce que la tour bot se sera peut-être pris des coups dans les dents. Troisième catégorie de tour, les T2. Les 6 T2 de la carte, 3 bleus et les 3 rouges, suivent le même système. Au début de la partie, elles ont 3600 points de vie, donc moins qu'une T1. 55 dans les deux résistances, comme les T1, mais un score d'attaque physique de 170 au lieu de 152. Ça veut dire que d'emblée, dans les premières minutes, la T2 fait quand même beaucoup plus mal, surtout qu'on n'a pas beaucoup de points de vie quand on débute une partie, donc la T2 fait beaucoup plus mal qu'une T1. Par contre, il faut attendre la 8ème minute de jeu pour qu'elle gagne enfin 4 points d'attaque, et curieusement, aucun point de résistance. Une minute plus tard, 4 points d'attaque. Une minute plus tard, 4 points d'attaque. Ça veut dire qu'on arrive à 10 minutes de jeu, elle a un score d'attaque de 182, qui est bien parce qu'en fait c'est déjà au-dessus de la T1 qui sera à son maximum en fin de partie. Elle fait déjà plus mal qu'une T1 de 30 minutes quoi. Donc elle est à 182, par contre ses résistances sont toujours à 55. Alors que la T1, ses résistances elles sont montées en 56, 57, 58, 59. La T2 est toujours à 55. Il faut attendre 15 minutes pour être même précis. C'est à la 16ème minute, remplie, que enfin la T2 gagne un point dans ses résistances. À ce moment-là, elle a 206 d'attaque physique, donc elle éclate complètement les dégâts que peut faire une T1. Par contre, ses résistances sont à peine aussi fortes que celles de la T1 de la première minute de jeu. Et à ce moment-là, à la 16ème minute, elle prend le rythme de 4 points d'attaque physique et d'un point de résistance toutes les minutes. Jusqu'à arriver à son maximum, qui est à 30 minutes de jeu, pile poil à la demi-heure, elle a 250 en attaque et 70 dans les deux résistances. Donc, pendant les 15 premières minutes de jeu, la T2 elle est en carton. Moralité, si vous prenez la T1 très rapidement, donc en bot lane, hein, parce qu'elle est un peu imblindable en top et en mid, pousser rapidement vers la T2 avant que n'arrive la 16ème minute, permet de lui coller des bons gros rentrons dans les côtes à la T2 parce qu'elle a aucune armure et aucune résistance magique. Et passé la 16ème minute, bah c'est un peu foutu parce qu'elle a commencé à progresser dans son renforcement. Et voyez, moi j'imaginais pas que la T2 était aussi faible aussi longtemps. Quatrième sorte de tour, les T3. Les ultimes défenses de chaque voie sont encore différentes. Elle commence la partie avec 3000 points de vie et les résistances sont à 55. Comme les T2, elle commence aussi avec 170 d'attaque. Comme les T2, c'est à 8 minutes qu'elle commence à gagner des dégâts d'attaque et à 16 minutes que les résistances commencent à monter. Elles suivent le même rythme que les T2. Et on pourrait presque dire que finalement, j'aurais pu les confondre dans une seule catégorie. T3, T2, même combat, mis à part les points de vie. Eh bien non, parce que la T3 possède une sacrée particularité, c'est que c'est la première tour qui se régénère. Elle regagne des points de vie. En permanence, même quand vous tapez dessus, elle se régénère. Ceci étant, elle ne peut pas récupérer son maximum de points de vie si vous l'avez suffisamment tapé. Elle possède des paliers. Ça veut dire que si vous amenez la tour en dessous de ces paliers, elle se régénérera jusqu'à ce palier et ne remontera pas jusqu'en haut. Pour une T3, le premier palier est à 2180 points de vie et le deuxième palier est à 1092. Si vous arrivez à taper une T3 et qu'elle descend à 1082, par exemple, et que vous voyez quelqu'un qui vous arrive dessus, c'est pas la peine de rester pour coller deux auto-attaques en plus, parce qu'en fait, en une minute même pas, la tour, elle va remonter à ce 1092. Donc sauvez-vous de suite, vous avez fait le maximum que vous pouviez faire. Et pareillement, si vous passez à côté d'une T3 et qu'elle est
plus ou moins à un de ces caps-là, c'est pas la peine de prendre un coup de tour gratuit pour coller deux auto-attaques. Le temps que vous rentriez chez vous ou que vous changez de lane, elle aura régène l'intégralité des dégâts que vous lui avez fait. Il faut juste s'assurer d'avoir franchi ces caps-là autant que possible avant de lâcher une T3. On est sûr qu'elle régénérera pas au-dessus. Et il est assez facile de savoir si on a atteint ses paliers ou pas, parce qu'on n'a peut-être pas toujours l'œil coincé sur les points de vie, on n'a peut-être pas toujours en tête le nombre de points de vie qu'il faut. Il y a une animation visuelle sur les tours, où elles se mettent à faire tomber des morceaux de pierre. Et ces animations visuelles se produisent à chaque fois qu'on franchit un palier. Donc si vous tapez une tour et qu'elle se met à perdre des pierres, vous avez atteint le premier palier. Quand elle repère des pierres, c'est que vous avez atteint le deuxième palier, et après elle est détruite. Vous l'aurez donc compris, si vous êtes très avancé sur une voie, que vous tapez une T3, que vous avez ces éboulis qui se produisent, et qu'on vous ping de vous barrer, sous-entendu, attention, des gens s'approchent de toi, c'est pas la peine de rester collé 2-3 autos. La tour devant vous, elle se régénère. Et elle se régénère assez vite en plus. Vous avez fait tomber les pierres, vous avez atteint un palier, vous êtes sûr que votre avancée ne sera pas bouffée par la régénération. Fuyez. Dernier type de tour, les tours du Nexus. Les dernières défenses de la partie. Eh bien, les dernières défenses de la partie, elles ont autant de puissance que ma petite sœur. Elles ont 2700 points de vie. La T1 en avait 3008. Autant dire qu'elles sont là pour la forme et qu'elles vont fondre comme neige au soleil. Elles se régénèrent aussi, comme les T3. Sauf que comme elles ont moins de points de vie, ben leur palier est plus bas. Premier palier de régénération, 1786. Deuxième palier de régénération, 893. Et cerise sur le gâteau, leur armure et leur résistance magique n'augmente jamais. Elles ont 55 de la première seconde de la partie jusqu'à la 45e minute de la partie. Et quand on arrive en face d'une tour de Nexus, en général, on est blindé d'objets et on est assez haut niveau. Et on se retrouve devant deux tours en carton qui n'ont pas de points de vie et pas d'armure. Alors n'ayez plus peur des tourelles du Nexus. En fait, vous avez les moyens de les péter en 2 secondes en fin de partie. Ça fait des plombes que Riot essaye d'accélérer les parties. Et un des moyens qu'il a trouvé, c'est de rendre les tours de moins en moins compliquées à détruire à mesure que le jeu progresse. Un ADC en fin de partie peut détruire une tour de Nexus en moins de 10 coups. Un Garen, un Train d'Amer, un Jax, un Xin peut la détruire en 2 ou 3 secondes. Toute proportion gardée, quand on observe les chiffres, votre meilleure défense, passé les 15 minutes de jeu, ce sont les T2. Parce qu'elles ont un rapport point de vie dégâts qui est clairement le plus élevé du jeu. Si jamais vous êtes poursuivi en fin de partie, et que les T1 sont encore debout, restez pas sous la T1. La T1, elle est capée à 180 de dégâts d'attaque. Ça veut dire qu'elle a le moindre champion avec un peu d'armure, de régène, point de vie, il peut tanker la T1 comme si elle n'était pas là. Alors que si vous vous planquez sous la T2, la T2, elle n'est pas à 180 d'attaque, elle est à 250. Ça veut dire que si on tente un dive sur vous un petit peu limite, vous êtes à 1 contre 3, le tank prend l'aggro de la tour, les autres viennent vous défoncer. Sous une T2, le tank, premier coup de tour, va se prendre 70 points de vie en plus. Deuxième coup de tour, il va se prendre 98 points de vie en plus. Troisième coup de tour, il va se prendre 126 points de vie en plus. Ça fait un total de 300 points de vie, à peu près, en plus qu'il devra encaisser, alors que si vous étiez sous une T1, honnêtement, il aurait même pas vu que la tour le tape. Voilà, gentil cadavre, on a fait le tour des tours. J'attends depuis le début de la vidéo de la placer, celle-là. J'espère sincèrement que Riot fera un jour enfin son boulot et expliquera ça, plutôt que de dire « il y a des tours, il faut les détruire ». Mais je me leurre pas trop, et puis j'aime bien faire ce travail, en fait. Je fais partie de la grande masse des imbéciles utiles qui travaillent gratuitement et qui aident les studios à ne pas faire leur boulot. En attendant une prochaine vidéo complètement délirante et bourrée d'informations, bon jeu à toi, gentil cadavre. Rendez-vous peut-être in-game si tu joues au même jeu que moi, sinon ça va être un petit peu compliqué. Ciao.